On va prendre 1 heure, c'est bien. Puis après, on pourra continuer, mais je veux dire, pour les débuts de la présentation en 1 demi-heure, c'est bien. Ouais, Faire assez, pas trop long, ouais. de synthétiser. Je te rappellerai quand tu Ouais, ça marche. La parole est à toi, Oui. Julien. Si tu veux, on fait comme à l'écolo, je fais passer des papiers, il te reste 5 minutes. On peut faire ça comme tu veux. Bon alors, je vais commencer par ma position personnelle qui relève, qui explique mon cheminement et qui permet de comprendre comment j'en suis arrivé à cette réflexion-là. À la base, je viens d'une famille religieuse assez puritaine, protestantisme cévenol, donc bien ancré, bien lourd, donc bien culpabilisant et tout ça. Donc pendant longtemps, effectivement, comme beaucoup, je me suis projeté dans le modèle du couple parce que c'était le seul qui existait dans mon horizon culturel. Et du coup, il y a beaucoup de mes tendances qui ont été culpabilisées. Et moi, il me suffit pas de voir qu'il y a un exemple, un contre-exemple qui existe. J'ai besoin de comprendre quels sont les mécanismes de telle chose et telle chose pour arriver à me libérer d'un carcan et pour pouvoir explorer un peu plus. Donc, on va dire que ma recherche. Elle a commencé avec une première impulsion, l'impulsion nudiste, où j'étais tellement mal dans ma peau, complexé, etc. À l'adolescence, j'ai entendu parler du mouvement naturiste. Je fais, ah là, il y a quelque chose qui me parle. Ça faisait écho à Jardin d'Éden, le paradis perdu, tout ça, le seul truc que j'ai retenu positif dans la Bible. Et du coup, en fait, petit à petit, je suis rentré dans le mouvement. Et j'ai été confronté à une petite déception. J'avais un idéal et je me suis rendu compte que ça restait quand même assez humain, entre guillemets, avec tous les petits défauts, surtout dans le monde associatif, les petits conflits, tout ça. Mais tout en sentant qu'il y avait quelque chose d'important à creuser, mais sachant pas quoi. Alors j'ai d'abord essayé de philosopher un peu dans mon coin. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui est un ancien du mouvement naturiste, qui a connu les fondateurs. Et qui m'a ouvert, qui a récupéré les archives, qui me les a ouvertes, et où j'ai pu découvrir qu'en fait le mouvement naturiste et nudiste était à la base une réflexion médicale. Donc globalement, le mouvement naturiste, c'est une réflexion sur quels sont les besoins de la nature humaine, quels sont ses fonctionnements, comment les respecter pour rester en bonne santé. Et donc du coup, forcément, une critique des fonctionnements de notre société qui nous rend malade. Donc, grosso modo, le naturisme, c'est une réflexion sur l'alimentation. Quelle est l'alimentation? Quelles sont les alimentations idéales humaines? Et puis, toute une réflexion aussi sur l'éducation physique, le sport, puisqu'on est dans. Non seulement on ne mange pas forcément très bien, mais en plus, on est une société très sédentaire, donc on s'affaiblit de cette manière. Et donc, le mouvement naturiste a commencé d'abord sur une réflexion alimentaire. Et éducation physique. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née une réflexion par rapport à la nudité spécifiquement, où plusieurs médecins se sont rendus compte à quel point en fait la nudité est un état physiologique et son interdiction génère un tas de pathologies. Là où c'est intéressant, c'est que le nudisme ouvre l'hygiénisme naturiste, qui était au départ travaillé surtout sur la santé physique. Elle ouvre une porte sur la dimension psychologique, sociale, émotionnelle, etc. Ils se sont rendus compte, par exemple, que les sociétés. Il y a eu, par exemple, avec la colonisation, un énorme apport de connaissances donc, par l'ethnologie. Ils se sont rendus compte que sur deux tribus d'une même ethnie, quand on en civilisait une, c'est-à-dire en lui imposant les vêtements, etc., elle développait à la fois les mêmes pathologies physiques, tuberculose, des trucs comme ça que les blancs, mais aussi les mêmes obsessions, les mêmes on va dire perversions mentales. Ils venaient obsédés sexuels, on va dire grosso modo, et ça générait énormément de tensions. Alors qu'ils n'étaient pas sans les habits, sans le cache-sexe surtout, et alors que les tribus sœurs restaient parfaitement saines. Donc du coup, ils se sont mis à réfléchir un peu sur cette question. Alors pourquoi l'interdiction? Pourquoi donc ils se sont rendus compte qu'effectivement il y a énormément de fantasmes sur la sexualité qui s'auto-entretenaient. Puisque et du coup, puisque
la finalement, l'interdiction de la nudité repose sur le focus, c'est la nudité du sexe, des parties génitales. Forcément, le nudisme posait une question par rapport à la sexualité. Donc, il y a eu tout un essor de ce mouvement entre deux guerres, qui a été brutalement arrêté par la Seconde Guerre mondiale. Et après ça, le mouvement est arrivé à renaître, mais a fait l'impasse sur toute sa réflexion hygiéniste. Médical, et pour devenir surtout du loisir, et ce qui fait que petit à petit, il y a eu ces prises de conscience, cette réflexion-là qui a régressé, qui a fini par être oubliée, alors que le but initial, c'était pas juste de se payer des vacances, mais de faire évoluer la société, l'ouvrir, etc. Et donc, dans les dernières réflexions concernant la sexualité, se poser la question, on voit que le couple, ça fonctionne pas toujours. On l'encourage quand même parce que c'est une structure familiale qu'on n'en a pas d'autres sous la main. Et que le but du naturisme, c'est quand même de prendre soin des générations futures. Mais donc, ils étaient pas loin de mettre le doigt sur ce que moi j'ai découvert plus tard à travers deux auteurs, Wilhelm Reich dans un premier temps. Est-ce que tout le monde si tu disais, c'était un élève de Freud qui en gros s'est mis en désaccord avec Freud à partir du moment où Freud a dit dans chaque organisme vivant il y a et des pulsions vitales et des pulsions morbides, autodestructrices. Ah, j'ai dit, c'est dans une logique hygiéniste, c'est pas logique qu'on ait des germes d'autodestruction naturellement. Il y a déjà suffisamment avec la prédation, les accidents, tout ça. Et donc, il a réfléchi, alors c'est quoi ces pulsions morbides puisqu'elles existent? Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était quand les pulsions vitales sont réprimées, elles s'expriment d'une autre manière, elles dévient leur voie, et c'est là que naissent les déviances. Elles ont besoin de s'exprimer, mais du coup, d'une manière non naturelle. Et typiquement, quand on a, pour reprendre le sujet du nudisme, on a une curiosité naturelle, où en fait, naturellement, tout notre corps et notre visage, quand on se rencontre, on regarde surtout le visage parce que c'est là où on se concentre un maximum d'informations, mais tout le corps est source d'informations. Et si on occulte systématiquement les mêmes zones, la curiosité, du coup, elle s'exacerbe, il lui manque une réponse, et donc c'est là que naît l'obsession. Et donc en fait, que toutes les perversions sont en fait à la fois la seule manière que l'organisme a trouvé d'essayer d'exprimer ou de satisfaire ses besoins, et à la fois des signaux d'alerte pour dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on fait mal, qui génère cette souffrance et ce comportement déviant ». Je vais préciser tout de suite, dans les déviances, ça va être justement tout ce qui va être nocif à la société, agressif, tout ce qui va générer les viols, les obsessions sexuelles, toutes les agressions, les lourdeurs dans tous les genres. On exclut bien entendu l'homosexualité, enfin tout ce genre de trucs qui sont encore souvent jugés antinaturels, etc. Et donc, ils en sont arrivés, du coup, à, comme c'était un mouvement qui se positionnait surtout sur qui avait pour référentiel les cultures grecques antiques, et notamment la culture spartiate, qui était à guerrière, mais vachement égalitaire et plutôt libre au niveau de la sexualité et des amours. Ils étaient vraiment sur le point de mettre le doigt sur ce que Reich et d'autres chercheurs ont pu étudier, c'est-à-dire le système social qui permet ou ne permet pas cette liberté amoureuse, sexuelle, etc. Et donc, donc le polyamour aujourd'hui se confronte à, grosso modo, globalement, deux contraintes. La contrainte morale, qui est issue du patriarcat, et je vais essayer de développer rapidement en quoi ça consiste et pourquoi ça fait opposition. Donc le patriarcat qui est à la fois une morale. La morale, on peut s'en foutre, mais qui est aussi une structure avec laquelle on est obligé de composer. Nos propres blocages, qui peuvent être la jalousie, la souffrance, la possessivité, etc. Et si le polyamour est censé être une tendance naturelle,
dans ce cas-là, d'où viennent ces souffrances, d'où viennent ces blocages. Et c'est dans cette, dans cette réflexion naturiste, essayer de comprendre le mécanisme et nos souffrances que j'essaie de m'orienter. Alors, avant de revenir sur les blocages, donc je vais d'abord présenter la situation actuelle, le patriarcat, ce qu'il est, pour ensuite, et les problèmes qu'il génère, pour ensuite essayer d'ouvrir sur des réponses possibles qu'apportait le système, je préfère dire matrilinéaire, avant-culaire plutôt que matriarcal, mais je peux dire matristique ou matriarcal pour faire simple, parce que c'est pas le miroir inverse du patriarcat, c'est vraiment une autre organisation. Et donc m'appuyer sur ce système matrilinéaire pour trouver des réponses, pas forcément pour y revenir, même si moi je considère que c'est un peu le système idéal parce que naturel, mais en quoi il peut nous instruire sur comment réaménager nos vies familiales, nos structures de vie, la société en général. Donc le patriarcat, souvent on dit que c'est le pouvoir de l'homme. Alors effectivement, dans le patriarcat, l'homme est plus avantagé que la femme, et la femme en prend beaucoup plus cher que l'homme, mais dans les deux cas, il n'y en a aucun des deux qui est heureux. Et donc en fait, le système patriarcal, ça ne repose pas sur le pouvoir de l'homme, mais sur la notion de paternité, qui est a priori une invention assez récente dans l'histoire humaine, bon, il y a plusieurs millénaires, mais apparemment la notion de père n'existait pas initialement. Qui dit paternité dit en fait c'est la filiation paternelle, donc ça veut dire assurer au père qu'il soit bien le père de ses enfants, donc ça signifie que il y a une restriction amoureuse au niveau de la sexualité, surtout de la femme, puisque elle est théoriquement dans le patriarcat dur, c'est donc qui est l'absolu du patriarcat, elle est dépossédée de ses enfants, et ses enfants, elle est juste une poule pondeuse pour son mari, qui a le droit de vie et de mort. Aujourd'hui, on est dans une phase où ce patriarcat, qui était encore comme ça il n'y a pas très longtemps, s'est beaucoup assoupli, mais il y a encore énormément de structures, de restes, d'habitudes qui viennent contrecarrer, qui nous éduquent encore, et qui viennent contrecarrer nos développements. Et donc, pour assurer cette paternité, c'est là qu'on a inventé le contrat du mariage, qui est un pacte qui, dans l'absolu, ça veut dire interdiction d'aller voir ailleurs dans les rapports amoureux. Ça sous-entend aussi, c'est là qu'on a inventé la nouvelle signification de la virginité, c'est-à-dire qu'une femme, pour être sûre que, enfin, dans l'absolu, elle a plus de valeur commerciale, marchande, dans le mariage, parce que ça, finalement, ça, c'est du commerce humain. Elle a plus de valeur si elle n'a jamais été touchée par quiconque. Ce qui est marrant, c'est que le terme virginité, une vierge, à la base, la racine, c'est vir, comme la virilité, ça veut dire la force. Et initialement, une femme vierge, c'était une femme libre, qui n'appartient à personne, qui n'appartient pas à un mari. Et comme vierge, ça a aussi une notion d'intégrité. J'appartiens à personne, je suis je suis sous ma propre responsabilité. Il y a cette notion d'intégrité, de pureté, c'est-à-dire je ne suis pas pollué par quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que le moralisme patriarcal a petit à petit complètement changé le sens de ce mot de virginité pour dire une vierge, c'est devenu... Avant, c'était une femme libre, autonome, qui pouvait être patronne, qui pouvait avoir des hommes sous ses ordres, etc. C'est devenu une femme qui n'a jamais été touchée, qui ne connaît pas le sexe, qui... voilà. Et il y a plein de choses comme ça où les idéologies totalitaires ont dévoyé et complètement inversé le sens de certains mots. Et ça, c'est assez marrant au niveau d'étudier l'étymologie par rapport à ça. Donc ensuite, la question qui vient, c'est au-delà de cette structure-là, de la pression morale qui est déjà vachement importante parce qu'on est une espèce hyper sociable, donc si tout le monde a un fonctionnement et nous pousse à ce fonctionnement et nous punit, nous châtie, parce qu'il y a eu énormément de châtiments pour les personnes, qui surtout les femmes qui vivent hors mariage, qui avaient des enfants hors mariage, on appelle ça des enfants illégitimes, des bâtards, souvent ces femmes étaient soit placées en couvent, leur retiraient leurs enfants, soit elles étaient obligées de se prostituer pour arriver à survivre et nourrir.
tout ça, c'est cette structure-là patriarcale qui, dont on présente généralement dans les idéologies religieuses, etc., que le côté positif, c'est la meilleure chose qui soit, en fait, génère énormément de conséquences. Donc, la répression sexuelle, la continence sexuelle est tellement difficile à tenir, ou même amoureuse, que la plupart des couples, il y a de l'infidélité, qu'elle soit ponctuelle ou régulière. Donc c'est déjà un signe que c'est pas naturel de s'en tenir à ça. Il y a énormément du coup cette répression sexuelle chez les hommes qui sont psychologiquement, nerveusement quand même plus fragiles, craquent plus vite que les femmes. C'est aussi la raison. Cette répression-là, ça fait monter la cocotte, ça la fait bouillonner. C'est aussi une des causes du viol, qui est donc beaucoup plus masculin que féminin. C'est dû à simplement la frustration sexuelle. Et en plus, une culture qui vient se rajouter à ça, qui donne le droit, quand une femme qui ne correspond pas au code, en fait, ce code donne le droit à ceux qui participent de ne plus respecter ceux qui n'y participent pas, qui ne s'y plient pas. Et donc, ça donne le droit de se défouler sur ces personnes-là. Mais aussi, là, c'est dans le rapport social entre les personnes, entre les sexes. Il y a, du coup, cette structure-là, moins par son moralisme, mais par sa structure, qui va générer aussi tous les cas de jalousie, de possessivité, qui sont là encore, qui sont pas un mal en soi, mais qui sont, dans un sens naturiste, hygiéniste, le symptôme d'une cause. Et généralement, on retrouve toujours dans la jalousie, dans la possessivité, à la fois un manque de confiance en soi, donc c'est-à-dire un amour-propre qui a été cassé, qui n'a pas pu se développer parce qu'il ne correspondait pas aux normes, qui a été cassé, soit qui a dû se plier, donc renoncer à une partie de ce qu'il est. Et puis il y a aussi tout le côté carence affective qui fait qu'en fait, on investit toutes nos carences, qu'on ne conçoit pas comme des carences, puisque c'est censé être normal, c'est comme ça qu'on fonctionne, on réinvestit tout sur son partenaire amoureux. Et c'est là que le système matrilinéaire, moi, m'a permis de comprendre pourquoi il y a cette carence-là et comment ça fonctionne. Alors, déjà, je vais expliquer le fonctionnement, du coup, de la famille matrilinéaire. Comme son nom l'indique, il s'agit de lignage maternel. Et dans l'absolu du système matrilinéaire, la paternité n'existe pas. Et pourtant, c'est une structure qui repose sur une famille extrêmement stable, solide, performante au sens humain. Et tout simplement parce que elle est, en fait, c'est une structure matrilinéaire, donc lignage maternel. Il n'y a pas de double filiation ou d'autres filiations, la filiation paternelle, avanculaire. C'est-à-dire que, en fait, les rôles au niveau des hommes sont différents. Ce n'est pas, l'homme n'est pas père, il est oncle. C'est l'avant-culat, le rapport d'oncle à neveu et nièce qui est privilégié. Et communautaire, parce que c'est des familles... Enfin, je vais le dire communautaire par opposition, en fait, à la famille nucléaire, qui est une famille au format hyper réduit. Pour moi, la famille nucléaire, un père, une mère et qui font les gosses, qui doivent s'en occuper tout seuls, pour moi, c'est une famille de crise, c'est pas un modèle pérenne. Et cette organisation sociale matrilinéaire, avant-culaire, communautaire, c'est ça qui permet en fait, de faire en sorte que la famille ne dépend pas des relations amoureuses des uns et des autres. Sachant que les sentiments amoureux peuvent être très divers, variés, peuvent changer, on peut aimer plusieurs personnes, et puis on peut ne plus aimer une personne, etc., ça ne fonctionne plus. Si on base le couple là-dessus, au bout d'un moment, dans la plupart des cas, il y a des cas qui arrivent à s'en tirer plutôt bien, mais dans la plupart des cas, on arrive on entre en confrontation avec nos besoins. Soit on arrive à renoncer à nos besoins, et dans ce cas-là, on arrive à tenir, mais dans quel état ? Beaucoup de couples qu'on voit, oui, ils arrivent à tenir, mais alors ils ne respirent pas la joie de vivre, avec des exceptions, bien entendu. Ou soit ça éclate, et dans ce cas-là, c'est
les enfants, du coup, ça, on se rend compte que c'est pas si grave que ça par rapport à ce qu'on pouvait penser au départ, mais n'empêche qu'il y a rupture quelque part. Ça dépend aussi comment la séparation se fait, mais voilà, il y a le cadre et de sécurité affective de l'enfant qui peut être bouleversé du tout au tout. Et la famille matrilinéaire, au contraire, est très stable. On reste vivre dans la famille de sa mère. Aujourd'hui, ça peut faire flipper parce que justement, on est dans une culture qui est pathogène, mais dans la culture matrilinéaire, et au contraire, respecte énormément plus, enfin, respecte chacun et comprend chacun de nos tendances naturelles, ce qui fait qu'aucune n'a à être frustrée. Et du coup, on est bien chez sa mère, avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes. Et du coup, ça permet aussi une fratrie élargie au cousinage germain. Et ça permet donc à la fois pour les adultes de ne pas avoir trop de pression au niveau amoureux. De ce côté-là, ils sont libres, ils peuvent avoir. Chaque personne peut avoir un compagnon, un amoureux ou une amoureuse, ou plusieurs. Ça ne pose aucun problème. Il peut être hétéro, bi, homo, ça ne pose aucun problème. Ça n'a aucun impact sur la vie familiale. Et justement, c'est des sociétés où le commérage n'existe pas. C'était considéré tellement comme sacré la vie intime de chacun que personne ne trouve rien à redire aux amours des uns et des autres. Donc il n'y a même pas cette petite pression sournoise morale à ce niveau-là. Et puis, donc déjà, un adulte qui vit mieux, enfin, qui a le droit de vivre ses sentiments pleinement, c'est un adulte qui est beaucoup plus épanoui, donc beaucoup plus équilibré, donc qui est beaucoup. Enfin, c'est une personne de bien meilleure qualité pour les enfants. Par ailleurs, comme c'est des familles élargies, on vit avec toute sa fratrie. C'est plus seulement deux parents, voire un seul parent qui doit s'occuper des enfants. Il y a une mutualisation, ce qui fait que le burn-out parental n'existe pas là-bas. Et là-dessus, les enfants, non seulement du coup, ils ont des adultes de bonne qualité pour s'occuper d'eux. Il n'y a pas que les adultes parce que en fait, tout le monde s'occupe des enfants à tous les âges. Il n'y a pas de section, puisque chacun se reproduit un peu comme il veut. Il y a une continuité, il n'y a pas de strates comme chez nous, adultes-enfants. Les enfants s'éduquent beaucoup entre eux, surtout comme je disais, que la fratrie est étendue au cousinage germain. Donc voilà, grosso modo, et on se retrouve avec des sociétés. Il n'y a pas besoin d'idéologie, de culture pour les rendre pacifiques, elles sont détendues de base, tout simplement parce que les besoins physiologiques, psychologiques, affectueux, etc., de chacun sont assouvis. Du coup, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas cette tension qui monte. Et Reich avait du coup, lui, il n'avait pas observé directement ces différentes sociétés-là, mais c'était basé sur les recherches d'un ethnologue, Bronislav Malinowski, qui lui a eu la chance de tomber sur un cas particulier dans le monde, les îles Trobriand, qui sont dans l'océan Pacifique ou l'océan Indien, je ne sais plus, qui sont un chapelet. Papouasie. Papouasie, d'accord. Merci. C'est un chapelet d'îles où il y a, pour caricaturer, une progression sur chaque île, c'est une même ethnie. Mais une île d'une extrémité est complètement matrilinéaire et complètement patriarcale de l'autre, avec des nuanciers entre les deux. D'accord. Et rien que la structure, il s'est rendu compte. Alors, bien que pourtant l'ethnologue Malinowski disait vanter la grandeur des sociétés patriarcales qui sont beaucoup plus évoluées. Eh bien, il décrivait, malgré lui, des sociétés beaucoup plus tendues, agressives, où les gens étaient soit justement nerveux, soit complètement éteints. Alors que dans les sociétés plus modestement matrilinéaires, ok, il n'y avait pas cette grandeur de civilisation, mais les gens étaient bien. Ils étaient détendus. Et voilà, autant d'un point de vue civilisationnel, bon, ça se discute, on peut préférer la grandeur, mais du point de vue naturiste, hygiéniste, sur lequel je m'appuie, j'accorde plus d'importance au bien-être humain, même si on n'éclate pas par la grandeur, par la démonstration de force, parce que finalement, chaque civilisation, elle est capable de faire des grands monuments, mais elle a des pauvres et des riches.
mais donc des pauvres. Alors que les sociétés matrilinéaires, finalement, font partie de ce qu'on appelle le communisme primordial. Déjà, il n'y a pas de propriété privée, la propriété est toujours collective. Puisque chacun est important pour la collectivité, on prend soin de chacun. Donc c'est de fait une structure, et pas qu'une idéologie, qui permet de calmer les choses. Ça reste 10 minutes. 10 minutes à l'aise. voilà. Donc du coup, je vais me permettre de m'étendre un petit peu sur le côté. Donc on a l'absolu patriarcal qui a été la société française jusqu'à mai 68. Ça a été encore ce poids-là, même si ça avait commencé à se détendre après la Première Guerre mondiale. Et puis on a cet idéal matrilinéaire auquel on peut aspirer, mais qui, dans les faits, est difficile à... On peut pas le recréer comme ça. On ne peut pas recréer et soigner d'un coup tous les liens familiaux, recréer... Donc, en même temps, il y a de l'espoir dans le sens où c'est une famille qui peut se régénérer toute seule. Enfin, une structure familiale qui peut se régénérer toute seule si on ne l'empêche pas. Par exemple, si les enfants d'une famille ne veulent pas se marier et que les parents acceptent qu'ils continuent de vivre avec eux, et puis que les filles et les enfants, que ce soit les garçons qui s'en occupent, il n'y a pas de c'est pas une révolution, mais ce système, du coup, se régénère comme ça. Le problème, c'est que la plupart des familles héritent de toutes les carences affectives, de toutes les idéologies, de tous les blocages qui se sont transmis de génération en génération, ce qui fait qu'en général, c'est impossible de vivre avec ses propres parents. Et donc, c'est difficile de trouver... on ne peut pas la régénérer comme ça, ça peut être un coup de bol. Alors du coup, moi, je me suis amusé, et puis il y en a quelques-uns qui s'amusent à ça, essayer de trouver comment on peut trouver des échafaudages pour laisser réémerger ça. Par exemple, en faisant j'ai un copain qui bosse sur la famille associative, où du coup, c'est plus une communauté familiale, mais qui reprend le mode de vie matrilinéaire, c'est-à-dire on met tout en commun, il y a une mutualisation de tout, sauf qu'on ne couche pas ensemble. Mais ça veut dire, dans ce cas-là, qu'il y a besoin d'autres communautés ou d'autres personnes qui fonctionnent un peu sur ce modèle-là, parce que sinon, s'il n'y a personne qui fonctionne comme ça, il y a la frustration sexuelle qui reste. Et puis, il y a plein d'autres modèles. Il y a beaucoup de structures qu'on dit matrilinéaires, de peuples qu'on dit matrilinéaires, qui ne sont pas l'absolu matrilinéaire, mais qui sont déjà un mélange entre le patriarcat et le matriarcat, où on garde le lignage maternel, mais il y a quand même mariage. Et selon, il y a soit restriction sexuelle, et dans d'autres cas, il n'y en a pas. Il y a par exemple, j'avais vu dernièrement, en Asie, il y a les Hmong et les Dao, qui, eux, ça a l'air d'être un peuple matrilinéaire qui, d'accord, on leur a imposé le patriarcat, parce que le patriarcat a toujours été imposé par la force. Quand on dit à quelqu'un qui est libre, enferme-toi dans ce schéma-là où tu vas être moins libre, et surtout où on casse les familles, ça ne se fait que dans la force, parce que personne n'a envie de quitter ce qui lui fait du bien, quoi. Là, j'ai fait trop de parenthèses dans les parenthèses. C'est énorme. Oui, et donc, par exemple, il y a les Hmong et les Dao qui, donc, ok, on nous impose le système patriarcal, on l'accepte, on se marie, on fait des enfants, on vit en couple. Bon, c'est un peu plus élargi quand même, parce qu'en général, il y a les grands-parents de l'un ou de l'autre qui vivent dans la famille, mais on s'autorise à avoir des amants. Et c'est parfaitement viable parce que la société accepte ça, il y a une place pour ça. Donc c'est une nouvelle place qui a été donnée à ça en faisant entorse au système patriarcal strict. Il y a encore, à ma connaissance, au moins un peuple, et peuple au sens large, c'est pas juste une petite tribu, mais c'est déjà un peuple qui, avec sa civilisation, qui fonctionne encore plus pour longtemps, malheureusement, sur le système matrilinéaire strict. C'est donc en Chine, c'est les Mozo, où c'est vraiment une structure sociale solide. Alors c'est des grandes maisonnées où on vit à 40, une quarantaine ou cinquantaine de personnes dans la même famille. Donc tout le monde s'occupe des enfants. Et eux, la manière dont qu'ils ont trouvé d'à la fois protéger la famille tout en permettant les relations amoureuses, c'est que ça se passe sur deux étages. Les hommes vivent en bas.
ont leur chambre en bas, au rez-de-chaussée, et les femmes leur chambre à l'étage. Ce qui permet aux hommes, c'est les hommes qui vont aller faire la cour aux amoureuses des autres maisonnées, et les femmes qui sont protégées par leur maison, qui regardent par la fenêtre, tu me plais, tu peux grimper, tu me plais pas, non, tu rentres pas. Et si ça se passe mal, eh ben, il suffit qu'elle alerte et il y a toute la maisonnée qui accourt directement. Ce qui n'est pas possible dans la famille nucléaire patriarcale, qui est un huis clos où il y a une universitaire qui est décédée il y a quelques années, qui a bossé là-dessus, Agnès Échaine, et elle a toutes ses thèses en ligne qui explique bien ça, qu'en fait, en étudiant à travers les mythes, les légendes européennes, les reliquats matriarcaux et l'idéal matriarcal qui habite encore nos peuples, qui reste, enfin, c'est très gaulois par exemple d'être, enfin, les gauloiseries, grivoiseries, la paillardise, enfin, finalement cette liberté amoureuse, sexuelle, c'est quelque chose qui reste encore très présent malgré tous les efforts des églises, des pouvoirs politiques pour les étouffer. Et donc, elle, en étudiant ces mythes et en étudiant la structure matrilinéaire et patriarcale, elle dénonce en fait le patriarcat et le couple, c'est le premier foyer de violence envers les femmes. Parce que c'est un huis clos, c'est là où c'est là-dedans qu'il y a le plus de viols. Le viol conjugal était pendant longtemps pas considéré. Je sais même pas si au niveau légal, ce qu'il en est encore actuellement. Ça y est, maintenant, il n'y a pas ouais. très vite. Ouais. Maintenant, Où le viol entre époux n'existait pas. Mais Donc, faut le prouver. oui, faut le prouver. Mais il y a toujours cette notion de devoir conjugal. T'as pas envie, mais il faut garder l'autre. Enfin, faut l'entretenir. Donc, c'est tout des choses. Où en fait, la structure même du couple. Et pathogène. Et ce que dit Agnès Échaine, c'est que finalement, on peut prendre pas forcément le plus gentil, mais n'importe quel homme qui aurait à la base aucune envie de frapper une femme et qui a plutôt tendance à aimer les femmes et à avoir de bonnes relations, à mettre dans une situation sexuelle et économique où tout se mélange, où les tensions montent. Si ça se passe mal au niveau de la relation à cause de la situation économique, bah forcément au niveau sexuel, là où le sexe pourrait servir de soupape, bah non, ça bloque tout. Du coup, ça fait monter les pressions. Et en général, c'est les hommes qui pètent les plombs les premiers et donc qui se mettent à taper sur la nana, tout ça. Tout ça, c'est juste une question de structure. Et Tu peux conclure cette première partie ouais, ça marche. Et du coup, ce que donc voilà, si je présente tout ça, moi, c'est pour à la fois ouvrir notre champ, notre horizon culturel, parce que voilà, on nous a finalement l'importation du mythe d'Adam et Ève, le couple primordial, a servi à nous imposer ce modèle soi-disant universel. Donc le but là, c'est de se dire, ah, il y a d'autres modèles qui sont possibles, qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent peut-être même mieux. Et alors, soit pour essayer de collectivement retendre vers cet idéal naturel, soit prendre des éléments pour essayer de recomposer une nouvelle forme de famille qui permette à la fois le polyamour et que ce soit absolument pas contradictoire avec la sécurité affective des enfants. Et finalement, le but, c'est qu'on vive le mieux possible ensemble. Donc ça peut être un des ingrédients possibles à l'évolution positive de la société. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était dense. Ouais, C'était hyper fallait intéressant. condenser. On va faire une forme de questions-réponses, je pense, ou de petites interventions-questions-réponses éventuellement. Et puis voilà, dans la demi-heure qui suit. Puis après, on laissera plus le retour à des interventions. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, j'ai vraiment une question, enfin une réflexion que j'ai sur ce sujet, mais qui me semble relancer beaucoup le débat, c'est la question de pourquoi. Sur quelle base on est passé au patriarcat? Comment? Et ce qui me vient naturellement, c'est la peur de pouvoir, de la Vierge au sens de celle qui a le pouvoir et de lui prendre son pouvoir, quoi, avec l'homme. Il me semble, n'avait pas ce pouvoir-là avant. On a du mal à l'imaginer que l'homme ait cette envie-là de reprendre le pouvoir sur la femme.
plus des centres inférieurs. Alors, je me demande s'il y a ça qui est plus étudié. Alors, à mon avis, la peur de l'homme pour par rapport à la femme, pour moi, c'est plutôt une conséquence du patriarcat. J'y reviens après, j'ai plutôt expliqué ce que je considère comme étant une cause du patriarcat, sachant qu'on ne peut pas vraiment savoir. Mais le patriarcat, en fait, c'est un système familial, mais c'est d'abord un système économique. Si ça implique, en gros, ce système, il s'est mis à servir la propriété privée, donc l'accumulation de richesses. Et en fait, là où les communautés étaient indivisibles, si on voulait quitter la communauté, on renonçait aux biens qui vont avec. On n'avait pas notre part. Les biens sont des biens d'usage. Et l'idée, et alors après, c'est la question du pourquoi il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, ça, j'ai pas de réponse, mais c'est que, en général, et surtout dans les mariages traditionnels, avec le mariage, il y a une dot qui permet de faire circuler ou d'accaparer des biens. Donc, à la fois, quand on donne une dot à un enfant qu'on marie, à une fille qu'on marie, bah, ça divise notre propre propriété collective. Enfin, ça en enlève une partie. Et ça va en enrichir une autre, parce que souvent, c'est la femme qui va vivre dans la famille du mari. Donc, en fait, ça sert c'est un commerce humain qui sert un système économique d'instauration du pouvoir là où il n'y en avait pas. Ensuite, la peur du l'homme qui a peur de la femme, à mon avis, c'est une conséquence, parce qu'a priori, dans les sociétés matrilinéaires, surtout les plus archaïques, où, par exemple, c'est dans les îles Andaman, les Jarawa, je crois qu'ils ne savent même pas que le sperme a un pouvoir fécondant. Je pense que... Donc finalement, l'homme n'est pas considéré socialement comme étant reproducteur, mais il est un atout pour la culture. C'est plus lui qui va chasser ou un truc comme ça. Donc il reste utile. Donc il n'y a pas de sous. Enfin, c'est pas dégradant d'être un homme dans les sociétés matrilinéaires. Au contraire, c'est même plutôt confortable. Et par contre, ça va être une conséquence du dressage du masculin, parce que comme je le disais au début. Si les femmes sont les plus mal loties dans le système patriarcal, les hommes sont hyper maltraités. En gros, pour devenir adulte, pour devenir un homme, il faut sacrifier sa part de féminité. Ce qu'on appelle la part de féminité, qui est en fait simplement la sensibilité purement humaine. Les garçons sont éduqués de manière beaucoup plus violente. Peut-être plus violente, non, c'est une autre violence, mais le but... c'est de supprimer en eux tout ce qui est féminin, parce que ce serait dévalorisant pour un homme d'avoir des traits féminins. Et du coup, l'angoisse est générée, c'est plus une angoisse sociale. Si je ne garde pas le dessus sur la femme, si la femme devient plus forte que moi, socialement, je ne suis plus rien. Je suis, au regard des autres, je ne suis qu'une merde. Je pense que c'est plutôt ça qui est la source de cette peur. Et je ne pense pas que cette peur soit naturelle. Ouais, puis je pense qu'il y avait une question aussi de descendance, qu'on ait besoin de savoir qui est le père par rapport à la propriété privée, qu'une fois sa mort, quel est-il devenir et quand ça s'est structuré. Les pères, les maris, ils ont tenu à être vraiment sûrs. Une fois que c'est installé, oui. Leurs enfants et que machin, et du coup, une fois que psychologiquement ils sont investis du c'est moi qui suis responsable de la transmission, il faut dire qu'il y a la pression paternelle au-dessus. Je dois me conformer parce que j'ai été dressé à ça. Mon père a fait tous ses efforts pour me léguer ça. Je dois être à ce niveau-là. Je peux pas lâcher. Ouais. Mais au moment où ça a structuré la propriété privée, à qui ça appartient et qu'est-ce qu'elle devient une fois que c'est de toute façon, avec le patriarcat, l'héritage, c'est toujours le bordel. Ouais. faut partager les biens, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on en fait, celui-là il veut ça, il veut garder le bien, mais celui-là il veut le vendre pour avoir sa part d'argent, etc. Ouais. C'est pareil, c'est le passage au patriarcat qui crée ces problèmes de succession. En instaurant un problème de succession individuelle, de propriété individuelle, alors que dans les sociétés matrilinéaires où la propriété reste collective, il y a
je nuance un peu mon propos parce que jusqu'à pas très longtemps en France, il y a quelques siècles, c'était encore des propriétés collectives. Bien qu'on ait, le mariage ait déjà été imposé. Et c'est que plus tard qu'on a scindé tout ça. Mais parce que, enfin, ça se passe sur plusieurs plans aussi. Il y a le côté moral, le côté structure familiale et le côté économique. Et donc, des fois, il faut amener l'un avant pour préparer, pour pouvoir installer l'autre, etc. Mais oui, la question de l'héritage se pose forcément dans le système patriarcal, puisque finalement, le système patriarcal a été conçu, entre guillemets, sur cette question-là, par rapport à cette question-là, mais c'est toujours le bordel et du coup, ouais, la transmission paternelle fout la merde systématiquement, quoi. Moi, je voulais, j'avais noté au tout début, tu disais quelque chose, c'est pour ça que je voulais te demander ton avis. Mm. Au tout début, tu disais le fait qu'on leur mette des habits à un peuple précis, ça leur a fait développer les options sexuelles. Voilà. Et comme j'ai été à une conférence il y a quelques jours, un peu sur le même sujet par un anthropologue sociologue, lui, ce qu'il dit, c'est que tous les peuples, je suis plus anthropologue, tous les peuples, toutes les civilisations, à toutes les époques, dans à l'intérieur de chaque famille, on se raconte une histoire. Ouais. Et cette histoire, on la fabrique pour du bien vivre ensemble. Oui. Donc voilà. Et qu'on le transmet. Donc ce peuple-là qu'on a habillé, évidemment, il ne vit pas avec ce qu'on lui a transmis. Donc, ça, c'est la colonisation. Oui. Donc, voilà. C'est peut-être normal qu'ils aient développé à une vitesse. Effectivement, il y a une rupture dans la transmission culturelle. Oui, il y a une rupture. Voilà. Et parasitage. Pour moi, ce n'est pas forcément parce qu'on les a habillés, c'est parce qu'on a, c'est une rupture sur un seul temps. Comme on a habillé, j'ai vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie, on les a habillés aussi. Après, ça dépend comment on habille. Est-ce que, c'est, en fait, avec l'habit, c'est surtout la question du cache-sexe. Qui est, est-ce que si on cache le sexe momentanément, mais par exemple, au Moyen-Âge, les gens étaient tout le temps habillés, mais il y avait des moments de nudité collective dans les bains, que ce soit dans les étuves ou aux rivières, ce qui fait que l'obsession sexuelle n'avait pas de raison de se développer. Il y a beaucoup de cas, moi je prends par exemple mon cas personnel, où je peux considérer que j'ai été un obsédé sexuel dans mon adolescence, et que justement de pouvoir être confronté à des corps de femmes notamment, de savoir comment s'est fait une femme, etc., ça a complètement réduit et fait disparaître cette obsession. Donc moi personnellement j'accorde du crédit à ce truc parce que j'ai la sensation de l'avoir vécu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crédit, je disais juste que j'avais compris dans la dernière conférence que justement les peuples se racontent, enfin les civilisations se racontent toute une histoire de comment on va fonctionner ensemble et que c'est la transmission qui installe quelque chose. Comme le fonctionnement d'une famille, tu le disais tout à l'heure, on peut bien modifier nos propres structures familiales ou amoureuses. Et on va peut-être transmettre à nos enfants. On peut aussi continuer à produire. Voilà. Et transformer. Voilà. Je disais, peut-être ces gens-là, comme ça s'est fait sur un temps très court, c'est pas sur plusieurs générations ou sur 100 ans ou sur 200 ans qu'on leur a mis des habits, c'était peut-être un peu violent, quoi. Enfin, oui, mais alors, n'empêche que nous, par exemple, nos cultures européennes, ça s'est fait sur un temps long, cet habillage, cette imposition du cache-sexe. Et c'est que petit à petit que les églises ont fait fermer, pas la religion en tant que telle, mais l'institution religieuse. Dans ce cas-là, la religion était l'outil d'un pouvoir, en fermant les bains, en interdisant progressivement. Et c'est d'ailleurs pas que la religion, parce que après la Révolution française, la nudité a été encore plus interdite qu'avant. Donc c'est plus un système de puritanisme, religieux ou non, qui s'installe petit à petit. N'empêche que finalement, le résultat est le même, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était les mêmes perversions que chez les Européens que ça se développait. Et tu veux me dire un truc ? Non, juste par rapport à ça, je me disais... Et aussi le commerce, le côté économique aussi qui s'est emparé aussi de cette puritanité. Enfin, pour justement créer une frustration qui va faire encore plus vendre derrière. Enfin, il y a tout un truc. Oui, c'est vrai. C'est important de le rappeler. Mais que du coup,
ceux qui ont créé le nudisme français, cette réflexion hygiéniste, se sont rendus compte à quel point, dans les faits, quelqu'un qui avait l'habitude de ce puritanisme, qu'on le plaçait dans un contexte, bah, s'il était d'accord, dans un contexte nudiste, il y a énormément de choses qui se dénouaient, qui se simplifiaient, ils pouvaient passer à autre chose. Et il y a un fait amusant qui a été reporté dans la revue qui est des fondateurs du mouvement, où il reprenait une demande d'un fonctionnaire de l'administration coloniale anglaise, je crois, qui travaillait en Micronésie, il me semble, donc c'était un peuple où y a les colons qui sont arrivés, qui ont imposé le cache-sexe. Et quelques années après, cet administrateur a demandé à sa hiérarchie s'il ne pouvait pas laisser tomber cette idée de cache-sexe parce que la situation était devenue militairement ingérable. Et trop de tensions, ils ne pouvaient plus gérer. Bon, bien sûr, l'administration n'a pas voulu, ils ont plutôt préféré amener plus de colons. Mais il y a quand même un rapport de cause à effet directement biologique et psychologique. Il y a aussi le côté culturel qui va rajouter du tabou, du non-dit, qui est de la pression sociale. Mais cette pression sociale, on peut créer, du coup, ce que fait le mouvement nudiste, en créant des petites bulles hors de cette pression, hop, ça arrive à soigner, entre guillemets, ce problème-là. Après, tu avais parti d'où viennent les souffrances, donc les blocages, les choses comme ça qui sont dues à la dualité des couples ou les petites structures familiales, etc. Ouais. Et tu parles beaucoup de la sécurité des enfants, du lien d'attachement des enfants, mais qu'en est-il du lien d'attachement des adultes? Dans ta théorie, est-ce qu'il existe? Alors, oui. Parce que tu n'en as pas parlé. C'est en fait une continuité. Un adulte était un enfant. Et en fait, les personnes avec qui il est attaché, puisqu'il n'en est pas séparé toute sa vie. Oui, amoureusement. Et en fait, le problème, c'est que c'est deux choses différentes. La sécurité affective, l'affection de base, le lien familial et la relation amoureuse, c'est deux moteurs complètement différents. Mm-hmm. Dans notre culture, on essaye de les mélanger. Alors que du coup toute la sécurité la affective et toute l'affection qu'on peut recevoir de sa famille natale, puisqu'on en est coupé peu ou prou, selon si on en vit loin ou pas, mais de fait, en sortant de sa famille pour en fonder un autre foyer, on en est coupé, ou en tout cas éloigné, on a besoin de ce besoin-là, du coup, il reste là, et donc on a tendance à, et on nous propose de faire ça, de le réinvestir sur le partenaire amoureux, qui n'est pas fait pour à la base. D'accord. Tu dis qu'à partir du moment où il y a une structure stable, même quand on est adulte, dans les formats comme ça, ça ne permettrait pas de ressentir de l'attachement ailleurs. Alors, on peut rester attaché. Pour moi, attachement et possessivité, c'est pas tout à fait pareil. Pour moi non plus. Voilà. Donc l'attachement aussi. Vraiment de l'attachement. À partir du moment. Il faudrait le définir déjà. Pour moi, la même chose. Moi, je vais baser ça biologiquement sur l'ocytocine. C'est-à-dire l'hormone qui est sécrétée avec la tendresse, les câlins, tout ça. Dès qu'on passe un bon moment avec quelqu'un, on se sent bien avec quelqu'un, ça crée un attachement. Ça peut être d'abord avec sa famille, puisqu'on vit d'abord, c'est dans cette famille qu'on est, qu'on est élevé, qu'on développe ces liens-là. Ça n'empêche pas du tout d'en développer ailleurs. Et d'ailleurs, je pense même que cette liberté amoureuse, c'est un facteur de paix sociale, dans le sens où on n'a pas tellement envie de faire la guerre à des familles où on a des amoureux, des amoureuses. Il y a attachement, mais du coup, en fait, la possessivité, la jalousie, cette souffrance-là, qu'on pense que qu'elle devrait être assouvie et soignée par le couple, en fait, elle est générée par la rupture, ou même l'absence de la base. Si la famille a accumulé trop de souffrance génération après génération, elle n'est même pas capable de donner suffisamment d'affection, du coup, on n'en a jamais. Mais du coup, c'est dans de rares cas. La personne avec qui on va se mettre en couple va être capable d'assouvir tant bien que mal ce besoin-là. Mais en fait, c'est que naturellement, à la base, ce besoin, c'est pas l'amour qui est, enfin l'amour amoureux, la relation, on va dire, sexuelle qui est censée l'assouvir, la combler. C'est la famille natale.
On a du boulot, hein, parce que de là où on est parti, là où on aimerait, je pense, beaucoup aller. Je pense qu'il y a moins de boulot qu'on ne le pense, parce qu'en fait, ça a été énormément de boulot, et c'est encore énormément de boulot pour casser ce système naturel et entretenir le fait. Et c'est énormément d'énergie pour entretenir le système patriarcal qui fonctionne de moins en moins. Ouais. Et il suffit de, finalement, de se dire, ah, donc ça, il ne faut pas que je persiste dans cette idée-là, que je m'empêche de vivre ça ou que je m'oblige à vivre autre chose. Mmh. Et dans ce cas-là, on désactive déjà la structure patriarcale et ça permet, génération après génération, au système matrilinéaire ou à un système un peu plus matrilinéaire et plus physiologique, plus naturel de se réinstaurer. C'est plus arriver à déverrouiller les verrous qu'on nous a mis, qu'ils ont mis énormément de temps à nous mettre et qui peuvent sauter comme ça en une vie, quoi. Chasse le naturel, il revient bien. C'est ça. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un côté aussi, une part un peu génétique, enfin, peut-être quelque chose qui inscrit en nous, oui. Et qui du coup revient systématiquement, et c'est ce qui crée du coup cette fluidité qui rend peut-être la chose plus simple que ce qu'on imagine si on la laisse, si on l'accueille en fait, si on la laisse venir naturellement. Ouais, c'est une histoire les histoires qu'on se raconte. Moi, j'ai bien sa théorie des histoires qu'on se raconte. On peut se raconter cette histoire à soi-même, comme on peut se le raconter avec ses amis. Parce que c'est des repères qui nous permettent d'interagir. Et ça devient une histoire et notre propre histoire. C'est un peu ce qu'on vit tous un peu. On se raconte une histoire de comment on veut vivre. Enfin, on cherche du sens. En marge de sens, mais on peut arriver à se la raconter peut-être un peu plus. Après, ça risque d'être dogmatique si on commence à faire. L'idée, le problème du dogme, c'est quand on va mettre l'idée avant la réalité. Ouais. Si on se dit que, ok, on a une idée, mais si on voit qu'à un moment elle n'est pas bonne, on la réévalue par rapport à la réalité. Là, il y a plus de risque d'être dans le dogme. Le dogme, c'est vraiment mettre l'idée par-dessus la réalité supérieure à la réalité. À partir du moment on garde la réalité, qu'on reste vigilant, attentif. C'est la démarche de l'hygiénisme, finalement. Quand il y a une souffrance, quand il y a un problème, ça veut dire qu'on s'est gouré quelque part. Et donc, on peut réparer. C'est pareil en naturopathie. Oui, bah c'est la même racine. Ouais, c'est la même racine. Mm-hmm. Es-tu allée à Tamera, au Portugal? Il y a une communauté qui est très... je rêve d'y aller, peut-être certainement cette année, là. Alors, je connais très très peu de... C'est une communauté avec qui vient d'Allemagne, qui a sa base, qui est partie sur un projet. J'en ai entendu parler. Quand tu parles, Tamera. C'était pas une troupe de théâtre. Pour ceux qui sont sur mon... Vous descendez mon journal, vous allez le trouver. Ouais. Je pense que je l'ai mis en lien il y a... C'était pas une troupe itinérante au départ? Un truc comme ça, qui faisait du théâtre, qui s'est ensuite fixé. J'enverrai le lien, Julien. D'accord, j'enverrai le lien. Il y a un lien en français, un lien en anglais. Parce que j'avais entendu parler... Ils ont réouvert à tout public. D'accord. J'avais entendu parler d'une communauté dont les enfants se sont fixés quelque part, je ne sais plus où. Ouais. Où il s'était dit, il n'y a plus de possessivité, tout ça. Donc, on fait la mort à qui on veut. Mais le truc, c'est qu'avec la possessivité, ils ont mis de côté aussi toute la sphère émotionnelle, affective. Non. Et c'est pas celle-là, alors. Non. Je sais pas. Parce qu'il y a eu un truc comme ça, il y a eu un bouquin, ça s'appelait Le Degré Zéro de l'amour, où en fait, il y a juste plus de... Ah non, j'ai pas vu de livre en français. Il y a un refoulement complet de trucs, et c'est pas ça qu'il faut rejoindre. Je t'enverrai les liens. Ouais, j'essaierai de les remettre en public sur le Vilucine pour ceux avec qui je suis pas habillée. Ça marche. Il y a 5 minutes dans le temps. J'aurais bien une précision parce que tu parlais de faire un discernement entre les besoins affectifs et les besoins amoureux. Oui. Pour moi, les besoins amoureux, il n'y a rien qui définit les besoins amoureux. Il y a plein de besoins. Il y a un besoin sexuel, un besoin de procréation, il y a plein de choses. Satisfaction. Ouais. Et ça, je ne sais pas le définir. Mais en fait, effectivement, moi, dans le besoin amoureux, il y a un besoin affectif aussi. Clairement, il y a ça. Oui. Après, c'est un continuum. C'est un continuum. Il n'y a pas de frontière bien définie. Ça fait partie de notre intériorité et ça, il n'y a pas de limite. Moi, ce que dans ma propre réflexion, alors je connais pas le jargon polyamoureux parce que finalement j'ai peu étudié de l'intérieur, mais j'ai pris un autre chemin pour finalement le rejoindre. Pour moi, polyamour, c'est pas seulement plusieurs personnes qu'on aime, mais c'est aussi la diversité des sentiments et que dans notre culture patriarcale, c'est soit famille, soit amour. Ouais.
Et en fait, il y a tout un vide entre chaque, alors que il me semble que c'est plutôt un continuum. Alors effectivement, chaque personne va se situer plutôt là, plutôt là, plutôt là. Puis ça va se mouvoir. Mais de toute façon, les mots ne sont que des outils pour définir provisoirement, virtuellement, une réalité qui est beaucoup plus compliquée à saisir. Donc, et c'est là aussi où on peut éviter le dogme. Quand on sait que, bon, on appelle ça comme ça provisoirement, on se laisse la sécurité de ne pas enfermer la réalité dans l'idée. Mais oui, à la base, c'est un continuum. Donc on va dire, dans ce continuum, il y a un côté plutôt famille, un côté plutôt amical, un côté plutôt amoureux, mais c'est un nuancier, quoi. Moi, je ne le vois pas comme un continuum. Je le vois comme une palette. Comme une palette dans laquelle je trouve telle couleur, tel mélange de couleurs avec une personne et tel autre mélange avec d'autres personnes. Ah oui, d'accord, oui. Oui, ok, d'accord, je vois. Il y a plusieurs besoins, c'est une palette de couleurs. Oui, ok, ouais. C'est pas un continuum. Mais pour moi, l'affectif n'est pas le début de la relation sexuelle. Alors, besoins différents. Quoi. C'est... Alors, oui, qui répondent à des choses différentes dans notre développement. Mais comme ça peut parfois passer de l'un à l'autre, c'est dans ce sens, et qu'on peut mélanger, enfin, il peut y avoir des mélanges, on ne sait pas trop, c'est pas aussi clair. C'est pour ça que je parlerais plutôt de nuancier. Ouais. Ça rejoint la palette de couleurs et La palette est le curseur, le nuancier. Voilà. Ouais, voilà. Moi je parle souvent du curseur, et quand tu as parlé de la palette, je me suis dit que ça me parle un peu plus parce que ça fait plus de choses. Mmh. Mais quand même, il y a le curseur qui fait qu'on peut être en amour, en amitié, à des moments avec une même personne. Hein. Et moi je dirais qu'il y a des curseurs, il y a les curseurs dans chacune des relations, il y a plusieurs curseurs qui sont plus ou moins hauts. Et en fait, la définition des 10 mots aimés, l'autre jour on en parlait, c'est vrai que suivant l'individu avec qui je suis en relation, ben c'est ce curseur-là qui est plus haut, celui-là il est plus bas, celui-là il est moyen, à ce moment-là. Et puis demain il peut être l'inverse. En fait, comme un jeu de lumière, de toute façon la lumière, ce qui va se passer à ce moment-là, est équilibré. Donc on ne se balade pas sur un continuum. À mon avis, on se balade dans un jeu de plusieurs jeux de lumière. Et encore une fois, c'est des outils, des images pour essayer de représenter la réalité. Donc après, c'est une image qui me parle aussi. Et peut-être pour terminer, que ce soit dans les relations ou dans des couleurs d'une palette de peinture, fondamentalement, c'est la même chose parce qu'en fait, ça rejoint tout à fait les curseurs. Parce qu'en fait, même les couleurs ne sont pas des couleurs en soi. Chaque couleur est un mélange de plein de couleurs. Ça se rejoint avec le continuum. En fait. Oui, pour moi, c'est effectivement pas contradictoire. Tu vas t'arriver d'une couleur à une autre. Alors que là, c'est cette couleur-là pour un autre relation, c'est cette couleur-là, mais je ne peux pas passer de là. Bah après, il y a un curseur par personne. Enfin, c'est des... Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Après, je vais essayer de terminer là-dessus. Et pour revenir sur les histoires qu'on se raconte, c'est des outils, des repères, des images pour essayer de comprendre le réel. C'est perfectible. Et notre principal problème sur le point de vue culturel aujourd'hui, c'est que ces repères sont un peu désuets, on se rend tous compte que... on n'arrive pas bien à se comprendre avec ces outils-là, donc peut-être que le jargon poli est beaucoup plus fourni pour donner des repères peut-être plus subtils, ou je sais pas, ça faudrait que j'étudie le truc, mais c'est aussi une question à... On est un peu contraint, hein, pour se faire comprendre. Voilà. 99% de la planète n'a jamais entendu parler de poli. Oui. Quand tu rencontres des gens... Tu veux leur expliquer, tu veux développer des compétences. Ouais. Avec un vocabulaire. Et surtout qu'il y a tout le travail de démonter les idées reçues pour réexpliquer autre chose, donc c'est un double travail. Ouais, c'est bien d'être Je voulais juste ajouter quelque chose parce que tu parlais de jargon du polyamour. Je me demande, est-ce que c'est nécessaire de mettre des mots là-dessus en fait. Si on arrive à déconstruire l'esprit justement de toutes ces cases dans lesquelles on s'est fixé, est-ce que c'est nécessaire d'aller remettre des mots sur ces choses, des nuanciers, des palettes, des curseurs? En fait, non, on déconstruit. Ça dépend comment tu vis. Les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es. C'est pour en parler. Ouais, c'est sûr, mais on en parle au cas par cas, finalement. Et c'est là qu'on développe des compétences. Inattendues. Comment?
dis qui tu es, tu n'es pas une suite de mots. Voilà, mais t'as beau dire qui tu es, quand tu es du monde, mais tu n'es pas non pas, monogame. Tu n'es pas une suite de mots. Voilà, ça, tu peux choisir de ne pas définir une suite de mots. Oui, tu mais quand tu rentres en, de façon intime en relation, il n'y a rien à faire, tu es obligé de parler. Hein. On peut faire un début d'explication. Sinon, tu. Ouais, quand même, je suis sûre de ça. Ouais. Mais après, chacun limitatif. Moi, j'ai eu besoin d'autres mots plus précis pour, me pour commencer à déconstruire. S'il y en a qui n'en ont pas besoin, tant mieux. Il est 9h10. Moi, j'aimerais bien parler. Ouais, c'est l'heure. On s'était fixé pour ce temps d'atelier, une conférence.